Alexa et les Bains de la Grenouille, Lance Limousine. Il y a encore plein d'autres, je vous en parlerai après. Si vous pouvez retrouver l'ensemble des classements et des ladders, et bien sur le site de la Fédération Française de Béour ou bien sur Béour Base. Alors, pendant match assez serré, des duels de chaque côté, il va falloir que les combattants se mettent à travailler en équipe. S'ils veulent réussir chacun à vaincre leur adversaire. Une première chute. Avantage de 1. Donc pour Martel Lahir, un casque a été arraché. Il sort donc de la lisse. D'où l'importance de mettre une attache dorsale. Les combattants étaient couchés au sol. Avait-il eu 3 appuis ou bien un défaut d'armure? Nous avons donc 3 duels pour le moment dans la liste, toujours à égalité. C'est assez serré. On peut voir que là, un duel a splitté, donc chacun est allé aider ses camarades pour essayer de faire la différence. Ce sera celui qui se débarrassera le plus vite de son adversaire qui va pouvoir ainsi intervenir et mettre fin au match. On peut voir le combattant qui essaie d'écouter ses collègues. Oh! Il finit au sol, le combattant de l'air est envoyé par terre. Qu'est-ce qu'il branle lui depuis tout à l'heure? Il va continuer, ils sont encore 2. Allez, les combattants, les faucons noirs se dirigent vers leur adversaire. 3 contre 2. Charge de l'acier de Martel Lahir. Il a grippé son adversaire, il va essayer de le projeter au sol, mais le combattant faucon noir est vraiment accroché à la lisse. Il va être très difficile de le sortir. Ah, il n'a pas le droit d'accrocher, pardon. Et là, le fer de son arme. Charge dans le dos. Oui, il arrive à le projeter au sol. C'est la suprématie. C'est donc la fin du round. Faut qu'il fasse attention à ses arrières. Mais Night Marshall, s'il vous plaît, le score. 3-0 donc pour les faucons noirs. Tout le monde est prêt, c'est merveilleux, on va pouvoir commencer la bagarre. Le combat, l'affrontement. Alors, Martel Lahir bien décidé à remporter ce round, a complètement enfoncé les lignes des faucons noirs, les a acculés contre la lisse. Mais ça n'empêche pas l'aster les faucons noirs de se dégager d'envoyer ses adversaires au sol. Oula, oula, oula. Deux coups à la nuque, semble qu'il va se faire sanctionner celui-là. Il envoie son adversaire et le fuit d'un coup dans la hache. D'excellents coups de hache. Ah, il semblerait qu'un des combattants, il faut qu'on va prendre un carton jaune. Si ce n'est plus, pour ces coups répétés à la nuque, c'est interdit. Et là-dessus, les arbitres sont intraitables. 5-0 donc pour l'équipe des Faucons Noirs.